de milieu où le pétrole s'accumule, il faut plusieurs raisons pour qu'il s'accumule. La raison principale, il faut qu'il y ait de la matière organique dans les roches. Puis cette matière organique-là, il a commencé à en avoir d'une façon significative seulement depuis 600 millions d'années. Les territoires au Québec qui ont ces caractéristiques-là, c'est très, très limité. Ça se limite essentiellement aux basses terres du Saint-Laurent, puis au bassin d'Anticosti, incluant le milieu marin, et puis les Appalaches qui comprennent la Gaspésie, puis le territoire appalachien entre Québec et Montréal. Petralia est surtout est uniquement impliqué dans l'est du Québec, en Gaspésie essentiellement, et puis sur l'île d'Anticosti, où on détient, je pense qu'on est le plus gros détenteur de permis dans ce territoire-là. On a aussi des permis au nord du Nouveau-Brunswick, là, dans la région de Campbellton, Dalhousie. Alors, le permis d'exploration se demande au ministère des Ressources naturelles et de la faune, parce que c'est eux qui gèrent tous les permis et tout le territoire. On possède nos permis là, sur une période de 10 ans. Les 5 premières années, c'est comme dans un bloc, et par la suite, on doit renouveler à chaque année. On détient là, entre 70 et 80 % du potentiel jugé pétrolier sur tous les permis du Québec qui sont sur terre. Non pas sur mer, mais vraiment sur terre. Hydro-Québec a fermé son département pétrole et gaz et on a vu l'opportunité d'aller acquérir ce territoire-là, qui était à ce moment-là jugé grand territoire pour l'huile, potentielle huile conventionnelle. Hydro-Québec a offert, si vous voulez, la partie qu'il possédait sur Anticosti. OK? Tout le monde a déposé une offre sur Anticosti. Personne n'a gagné cette offre-là. OK? Ils ont tous rejeté les offres qu'ils ont eu. Nous, ce qu'on a fait, on a dit, OK, si notre offre, première offre n'est pas suffisante, on va développer une deuxième offre. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui croyait qu'il y avait un intérêt sur Anticosti. Shell était passé, Corridor était passé, Hydro-Québec était passé, puis nous autres, un petit peu fous. Hein? Les gens nous ont perçus un petit peu comme dérangés. Là, hein? Vous allez acquérir ce que les autres ont considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt. Toutes les forages avaient traversé par le passé, là, toutes les informations qu'on avait traversé les shales. Mais aucune information avait été prise à ce moment-là dans les shales. Alors nous, ce qu'on s'est dit, tant qu'à aller atteindre notre objectif, qui était vraiment, vraiment plus en profondeur, on va prendre une carotte au moins dans les shales pour l'évaluer si oui ou non il y a du pétrole là-dedans et s'il peut être extrait. Par la suite, on a fait faire une étude externe par une firme de consultants Sproul qui font des calculs de ressources, des calculs de réserves et sont arrivés avec des ressources en place, ça veut dire de l'huile qui est en place à 30 milliards de barils. Géographiquement, c'est à peu près une soixantaine de kilomètres de Haldimand. En ligne droite, mais ça se trouve vraiment près de Murdochville. Alors, je pense que communément, dans la région, on appelle ça le chemin de la craque. Ça, c'est une belle histoire, le projet Bourque. Le projet Bourque, c'est un projet qui existe depuis la SOCIP. La SOCIP avait mené vraiment de la sismique dans cette région-là. Et un professeur de l'université, M. Bourque, qui s'est penché encore plus sur ce projet-là et a bien décrit à travers certains documents et rapports qu'il a fait qu'il semblait y avoir bien des récifs à cet endroit-là. C'est qu'on a pu imaginer en trois dimensions ce qu'on appelle un complexe récifal, qui est gigantesque. Et puis, ce complexe-là, il y a des attributs, c'est-à-dire, la sismique donne des caractéristiques qui indiquent qu'il y a probablement des hydrocarbures là-dedans. Le réservoir qui est là, s'étend sur une dizaine de kilomètres et sur une épaisseur, on peut, juste pour vous donner une image, là, à peu près de 3 tours Eiffel. Là. Évidemment, ce que j'ai en la main, ce n'est pas un récif, là, mais c'est un morceau de récif jusqu'à un certain point. Il y a une partie centrale ici, dans laquelle on peut voir un mince quadrillage, là, la partie noire, qui est un fossile, qui est un corail, qui vivait il y a environ 430 millions d'années. Et autour, il y a une roche plus argileuse qui a servi un peu à trapper
le matériau noir que l'on voit à l'intérieur du corail, qui est un pétrole. Donc, cette roche-là était un petit réservoir de pétrole à un certain moment donné. Lorsque, dans l'industrie pétrolière, on parle de récifs, là, c'est peut-être moins populaire parce que c'est du conventionnel, il y en a un peu moins à travers le monde, mais c'est quand même, là, on peut faire un comparatif avec le projet Leduc. Leduc qui a lancé vraiment l'Alberta, là, dans le... c'est pas des sables bitumineux. C'est un prospect qui est extrêmement bien défini au point de vue géométrie. Il reste à démontrer qu'il y a quelque chose dedans avec un forage. Le projet Haldimand se situe vraiment, là, on va dire, malheureusement peut-être, là, mais se situe à peu près 5 km là, de la ville de Gaspé et à peu près à 2 km du port. Donc, c'est sur la route de Sandy Beach et vraiment plus dans les terres, plus dans la montagne un petit peu, mais se trouve vraiment, on peut dire, là, près de la ville, effectivement. C'est un projet que lorsque c'est du grès, alors ça se situe aux alentours entre 900 et 1200 mètres de profondeur. Lorsqu'on a fait le premier forage Haldimand numéro 1, ça l'a donné qu'à peu près 40 barils d'huile par jour. Mais à ce moment-là, il y avait une pompe qui favorisait la venue d'huile. Par la suite, on a enlevé ça pour faire d'autres études, des tests de pompage, puis tout ça, de façon naturelle. Donc, à Haldimand, l'huile vient de façon naturelle et maintenant coule à peu près à 10 barils par jour. Si je peux faire juste un comparatif, dans le projet Haldimand, on pense la perméabilité, la porosité du projet, on pense récupérer seulement 10 % du potentiel du réservoir. Et lorsqu'on parle d'un projet comme le projet Bourque, dans des récifs, on peut augmenter là, jusqu'à 40 à 60 de récupération. Donc, on ne parle pas du tout là, de même type de projet. Le projet de Tarpointe, c'était un projet qu'on a fait juste un petit peu avant d'Haldimand numéro 2. Et qui est en dehors de cette zone-là et ne fait pas partie... ça fait partie d'un concept. On pensait au départ que c'était dans le York River. Donc, dans la même formation. On pensait retrouver finalement un Haldimand numéro 2. Lorsqu'on est arrivé à la fin de notre objectif, on s'est dit « Oups, les résultats ne sont pas tellement probants. » Alors, continuons. On est allé vérifier une autre formation qui est productrice dans le monde, l'Indian Cove. Et puis là, ça s'est avéré être très intéressant. Mais c'est deux projets. C'est quand même, il faut le considérer comme deux projets maintenant différents.